Paul Bellon tenait son 5e salon les 28 et 29 avril dernier à la salle Bonne Humeur de Saint-Nicolas. Le groupe Paul Bellon, c'est un groupe d'une quarantaine de peintres qui sont tous originaires de la région proche d'Arras. Enfin, il y a quelques-uns qui sont plus loin, mais la majeure partie est proche d'Arras. Et ils viennent travailler aux ateliers le lundi après-midi ou le jeudi après-midi. On les retrouve aussi sur le terrain lors des journées peinture. Et le groupe a mis en place il y a 5 ans, puisque c'est le 5e salon, un salon ouvert à tous. Et ça, c'est un point sur lequel j'insiste toujours. Mais on arrive à rentrer dedans quand même. Hein, on arrive à... Moi, là, je vois un animal domestique que je vois chien. Une centaine de peintres ont conquis le public ce week-end. Anne-Marie Turu, sociétaire des artistes français, était à l'honneur lors de ce week-end. Nous retrouverons Jacques Duhamel qui commente une de ses œuvres. L'ouverture, c'est le titre. Et ensuite, à chacun de découvrir selon son tempérament, selon son propre ressentiment, ce qu'il y a dans la toile. On voit très bien ici les deux couples, hein, qui représentent des couples âgés. Les teintes sont là pour... En 2007, le Grand Prix du Salon est attribué à Pascal Laloy-Martin, le premier prix huile à Thérèse Badet, le premier prix œuvre sur papier à Martine Haber, tandis que le prix de la ville de Saint-Nicolas revient à Alain Rudger.